sur Fun Radio. N'hésitez pas toujours vous. Vous dormez, c'est pas bon. Vous ne dosserez. Laisse finir comme ça maintenant. Passez au Badia et Maya. Dos, très. Passez au Bada. Et voilà, vous venez d'écouter Ricky Martin, ça va être Undos, très. Et bien sûr, avant c'était. C'était quoi avant, Fildas? Oui, si. C'était Will Smith avec Prends ça si tu le veux. Voilà, et bien, si tu donc, le veux bien. Donc, si vous voulez continuer les débats du jeudi soir, donc pour sur le Créture, vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000. 0870 5000 est toujours le 3615. Code Fun Radio, rubrique direct. Et là, on accueille donc Mandarine. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ça, hey, celui qui s'amuse à passer sur tout le monde, ça va pas aller là. Hein. Donc Véronique. Bonsoir. Alors Charbé, lui. Cynthia. Salut. Bonsoir. Fan quiz. Il y en a qui regardent trop des chaînes de télé. Ouais, c'est ce que j'ai sous les yeux. Désolé. Fan quiz, non mais je rêve. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils font au standard? Fan Queen. Et c'est quoi là, ce nom là? C'est ce qu'il m'a donné. Moi, tu sais, j'ai pas vu sa carte d'identité par téléphone. Hein. Tranquille, moi je m'appelle Cascado. Estelle. Jean-Christophe. Oh, ta gueule, quoi. Quoi pour l'instant. Estelle Ban. Bonsoir. Et Jean-Christophe. Esteban. Salut, Gérard. Esteban. Salut. Et Jean-Christophe pour finir. Et Jean-Christophe. Oh. Salut, Gérard. Salut, ça va? Eh, celui qui s'amuse à passer sur tout le monde, ça va pas être bon, là, hein, maintenant. On commence pas le deuxième débat comme ça. Même celui qui fait le coq. Pareil. Aimez-vous écrire, alors, dans ce thème, c'est l'écriture quand même, hein, le thème du deuil. Ouais. Est-ce que tu sais écrire, Gérard? Ah, il y a celui qui est en train de me picorer la testicule. Bah, voilà. Ah, c'est bon. Celui qui vient de dire Sandy, tu peux te virer tout de suite, hein. Ça y est, déjà avant que tu le dises. Voilà, comme ça a été vite, là. Donc, je réponds. Donc, aimez-vous écrire? Oh, oh. Oui. Non, mais, oh. Oui, je réponds, c'est Véronique. Je réponds. Bah vas-y. Oui, j'adore écrire. J'écris des... Bon, non, moi j'arrête, Max. Non. C'est plus possible de travailler comme ça. Moi, je suis pas d'accord, il y a du favoritisme, mais bon, c'est pas grave. Mais Gérard, tu m'écoutes? Je t'écoute. J'adore écrire. Je trouve que l'activité de l'écriture, c'est très enrichissant. Ça fait travailler les méninges. Ça fait travailler ton cerveau. C'est super, quoi. Mmh. Voilà. Mandarine. Jamais répondez tous à essayer de poser un débat en fait. Ouais, voilà. percuter. On va tous percuter. Donc en fait, moi je pense que l'écriture c'est très bon, ouais, c'est très bien. Ouais, mais sans couper trop la parole aux filles quand même. Ok, bah alors on va laisser parler les meufs et on va se casser, c'est ça que tu veux, non? Non, mais attends, tu restes poli, s'il te plaît. Non, mais le prends pas mal quand même. Non, mais quand même. Ouais. Mais non, mais tu restes poli, s'il te plaît. Ouais. Bon, d'accord. Je vous laisse le choix de répondre. Tous ensemble, mais si ça se passe mal, ça va casser. Ouais, ouais, ça va casser. Okay. Ça va casser dur. Hein. Ça va casser. Ah, y a un petit malin qui passe sur son. Ouais, j'ai l'impression là-bas, au sol là, je sais pas ce qu'il fout encore. Bon, c'est pas grave. Donc, alors, donc, je. Ah, ta gueule en plus. Y a un meurtre dans la radio là ou quoi? Oh. Donc, aimez-vous écrire? Oui. Donc, alors, répondez tous si vous voulez. Oui. En même temps. Non, mais en donnant vos noms. Bah moi j'aime bien ça. En donnant vos noms. Écoute-moi, c'est Manu. C'est Olivier, j'aime plutôt bien écrire. Pour la plume. Olivier, tu commences à me faire chier. C'est pas à toi que je m'adresse, d'accord? Tu laisses répondre. Ah, d'accord. Parce que ça dit tout le monde répond. Non, mais pas vous. Moi, j'ai vous, vous fermez vos gueules, vous êtes là pour gérer si ça se passe mal. Ouais, Gérard, c'est Jean-Christophe. Mmh. Voilà, je voulais répondre. Moi, j'aime pas écrire parce que
c'est chiant, c'est tout ça, donc voilà. Mais pourquoi tu n'aimes pas écrire? Parce que c'est fatigant, ça te prend la tête. Toi, t'as pas l'habitude d'écrire, mais... Attends, j'écris... T'écris tes questions, hein. T'écris trois lignes sur un poème, et puis voilà, mais... une synthèse, une syntaxe... Je voudrais te dire, je t'aime, ringard. Bon alors, Estelle, bon, c'est qui vient de dire ça? Oh là, les deux mecs! C'est pas moi non plus. J'étais en train de te parler. Ouais. Je pense que c'est le mec qui passe sur tout le monde qui a dit ça. Mais qui c'est qui s'est mis à passer sur tout le monde là? C'est le gamin de 13 ans. Là, ça commence à bien faire. Lui, il va falloir casser. Non, là, ça commence à bien faire au standard. Ah oui, c'est nous. On peut rien faire, Gérard, parce qu'il a piraté la ligne. J'aime pas trop comment tu parles à ton équipe. Un petit peu de respect quand même. Ouais, ouais. Qui c'est qui dit ça? Heureusement que je suis là quand même. C'est le gamin de 13 ans. Non, mais toi, tu dégages. C'est le petit qui a rien fait. Voilà, tu vois, c'est lui encore. Mais il s'est pas couché encore à 7h06, hein. 4h30, 5h, tu peux venir. C'est vrai. Je t'embrasse. Le gamin de 13 ans, là. Bon, mais ça va, Manu. Tu t'amuses à donner tes messages perso, on dirait que c'est raté ma mère, mais... Non, mais t'es complètement starbé, toi. Ah, pardon. Bien joué, Manu, bien joué. Mais c'est pas bien, on peut le faire internet. Mais t'es pas encore couché, toi? J'arrive bientôt à la maison. Non mais Manu, Passe dans l'annonce, ça veut dire quoi? Hey, tu te sens bien toi, Olivier aussi? Olivier, vous êtes con quoi là? J'ai appelé ma mère. Ouais, bah vous passez vos coups depuis l'après, bande de cons. Elle va bien ta mère, Manu? Ouais. Impeccable, elle te passe le bonjour. Tu l'envoies à la Comment elle parle à Manu, c'est bon? C'est un bisou. Et puis, si on continue comme ça, on parle de la mère de Gérard. Et Olivier. Alors, ça c'est pas bon. Attention, qui c'est qui vient de dire ça? Il y a trois mecs, je veux savoir les trois mecs. Le gamin. Je veux un nom. Ouais, moi, je suis pour rien, je suis le gamin, le petit, j'ai rien fait. Bon, toi, tu dégages. Allez, hop. Alors, qui c'est qui voulait jouer au con, là? Moi. Entre Fan Queen et... Et moi, on joue tous les deux. Ouais, mais attends, vas-y. Warn. C'est comment ton nom? Jean-Christophe. Eh ben alors Jean-Christophe, tu dégages. Non, c'est pas Jean-Christophe. Eh, ça commence à bien faire au standard là. Bah moi je suis les boules de l'aigle. Ça commence à bien. Bon, Olivier. Bah, arrête, t'es sérieux, je me prends tout dans la tête après. Quand tu fais la pro, ça t'arrive d'essayer de. De t'occuper de quelque chose là? Artisan, civiste. Qui c'est qui dit ça? Ouais, je te reçois 5-5. Bon, et au standard, vous avez les trois mecs. Allez, je vire tous les mecs. Radio guidage, pour moi. Allez, je vire tous les mecs, Gérard. Alors, Mandarine. Oui. Là, avec tout ça, j'ai oublié la question, Gérard. Tu m'excuseras. Donc, aimez-vous écrire pour continuer? Moi, ça me fatigue. Non, mais là, ça commence... Attends, Mandarine. Non, mais Gérard. Ça commence à bien faire parce que lui, fait que des conneries. Non, je et sais là, c'est même pas capable de gérer. C'est pas vrai. Il dit n'importe quoi, Gérard. Hein, ça arrive pas à gérer de savoir qui c'est qui passe sur tout le monde. Bon, Gérard, donc Mandarine. Quel est le problème là, Gérard? Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, on fait une pause. Tu mets tout le monde en antenne, on fait une réunion d'antenne. Ouais. Une réunion de débat. Oui, chef. De pro. Bon, Max, mais c'est Gérard. Alors, qu'est-ce qui va pas? Bon, déjà au standard, eux. C'est pas vrai. C'est pas nous. On n'est pas au standard. Taisez-vous. On n'est pas. On est à l'antenne peut-être, mais c'est une réunion. Alors au standard, vous. C'est la première fois que je fais une réunion extraordinaire, des débats. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs au standard, quand je vous demande qui c'est qui s'amuse à faire le con, vous essayez de le savoir. Mais ils piratent. On les a pas sur la ligne. Ah ouais, mais quand il y en a qui s'amuse à dire ma mère. Dans ce cas-là, tu essayes. Mais c'est celui qui pirate. Je peux pas le virer. Non, mais dans ce cas-là, moi, je sais pas la peine d'insister. Bon, alors d'accord. Le débat, c'est okay pour Archive, il va s'arrêter là. Il peut dire quoi alors? Ta sœur? Non, mais attendez. Bon, donc déjà là, vous trouvez le mec qui pirate, le gamin. Là, moi, j'écoute depuis tout à l'heure. Et ça commence à. Manu, il sait qui c'est. On se tait, écoute Gérard. Ensuite. Ça commence à bien faire. Lui là-bas. Alors Olivier. Pareil. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il est zéro. Zéro, c'est nul à la pro. La pro, il est même pas capable quand je donne l'autorisation. J'écoutais pas. De parler. Oui. Monsieur s'amuse à dire que des conneries. Il laisse pas. Olivier, ton boulot, c'est de réaliser. C'est la pro, c'est pas de faire l'animation. L'animation, c'est Gérard. Donc, voilà. D'accord. Voilà. Quoi d'autre encore? C'est tout. Ah bah ça va, y a pas grand chose. Non mais quand je demande quelque chose, je voudrais qu'au standard ça soit bien respecté. Bon, sinon ça sert à rien. Hein. Bon, la réunion est terminée, on reprend le débat. C'est okay. Parti. Donc alors je repose pour la quatrième fois la même question. Aimez-vous écrire? Donc j'attends vos réponses. Il y a Archive sur Minitel qui participe au débat. Mais sur Minitel. Oh merde! Oh là là!
c'est bien. Alors tu peux envoyer un disque. Ah mais non, c'est Manu, il a fait une mauvaise Manu. On peut savoir qu'est-ce que vous avez fait? Bah c'est Phil Dard, mais non, c'est Manu, il met non, tous les gens en antenne, mais en fait, tu vois, il a tout coupé. C'est tout le temps comme ça avec eux. Oh, bah, lâche ma cuisse. Lâche ma cuisse. Mais non, non, non. Oh, rigole. La réunion ne sert à rien parce qu'on vous demande de respecter Gérard, alors soyez sympa. Bon, toi, t'arrêtes avec ça. Arrête. Tout à l'heure, tu vois, la mallette, je vais la fermer, je vais te la balancer dans la gueule. Comme ça, bon, toi, tu dégages. Non, mais attends, il sort d'où celui-là? Il a le droit de parler comme tout le monde. Non, je crois qu'il a de la fièvre. Mais c'est pas ça, mais moi je voulais répondre à la question. Pardon, lui, il veut pas dormir. Allez hop, dehors. Allez hop, il dégage. Bon, GG, tu peux poser ta deuxième question? Non, mais tant que vous auriez pas tous répondu. Ils ont répondu. Deuxième question. On a tous répondu. Donc, j'ai pas répondu. Alors, pour la deuxième question, à qui écrivez-vous? Bah, moi, Gérard. Qui? Jean-Christophe. Alors, j'écris à ma mère. Ouais. Père. Mes frères. Oh, c'était le bonheur. Un petit peu à Gérard aussi. Voilà. Estelle Bon, répondez en donnant vos noms, s'il vous plaît, parce que je pense Anne. Que... Oui. Pardon, Véronique. Véronique répond. Donc, ouais, moi, j'écris à ma mère, toute la famille, quoi. Et puis, voilà, quoi. Je me demande même si elle t'écrirait pas, la demoiselle. Comment? Qui c'est qui vient de dire ça? C'est pas moi. Non, mais ça. Ouais, mais ça commence. Vous êtes trois, vous commencez à me casser les couilles, là, tous les trois. Il faut comprendre qu'il y en a toujours qui mentent. C'est belle, alors bon, voilà. Ah oui, et GG. Quoi? Véronique, dernièrement, j'ai écrit une lettre d'amour. Hein? Dernièrement, j'ai écrit une lettre d'amour. Pour qui? Le Kiki. C'est quoi? Il est pas malin. Bon, Mandarine. Ouais, moi, j'écris rarement. Enfin, quand j'écris, en général, c'est à mon copain quand il s'en va. D'accord. Moi, l'autre fois, j'ai écrit aux impôts parce que, attends. Tu donnes ton nom, s'il te plaît. On est des vaches à lait, ma parole. Tu donnes ton nom. Tu donnes ton nom. C'est, Esteban. Ouais, ben, quand je demande ton nom, t'es prié de te réveiller un peu. Comment est-ce, Esteban? Ça va bien, Esti. Bon, Esteban, tu dégages. Oui, non problème. Dehors. C'est vrai que les impôts, ils nous sucent jusqu'à la moelle, quoi. Ouais, c'est vrai. Y a pas de ça qui suce, hein. Qui c'est qui dit ça? Mandarine. Non mais attendez là. Il me reste deux mecs, je voudrais savoir lequel des deux qui s'amuse à dire des conneries comme ça. C'est pas fan quiz, hein, moi j'ai rien dit depuis le début. Esteban, je t'avais dit de le dégager. C'est vrai, allez hop, dehors. Allez bien. Voilà, donc Jean-Christophe. Ouais, bah moi je disais que j'écris à plein de monde, enfin des gens, des amis. C'est-à-dire non, pas c'est-à-dire, tu n'es pas forcé de donner les noms. Voilà, comment? Toujours mes amis, je dirais que j'écris à Gérard, tout ça, donc non. C'est pas vrai. Et en fait, j'écris à ma mère, tout ça, mes parents, c'est super. Voilà. Et pourquoi? Fin de quiz? Moi, je me rappelle plus parce que j'ai pas d'amis. Alors. Ouais. Oh là là! Tu veux qu'on soit des amis? Cynthia? Ouais, je veux. Tu veux que tout ça. Ah, moi, je vais venir te. Mais pas Gérard. Cynthia, de toute manière, je veux pas de toi. Ouais, t'avais raison, Gérard. Il est méchant, celui-là. Non, mais si t'es pas content, tu retournes au standard. Comme ça, tu m'emmerderas pas longtemps. Donc, Cynthia. Oui, alors moi, j'ai plein d'amis. Donc, je veux bien être l'ami de Fan Quiz. Ouais. Et j'écris pas, en fait. Mais pas Gérard. Bon, en fait, je téléphone. Bon, Fan Quiz, c'est la seule. Encore une connerie comme ça et tu vas dégager. Ouais, mais. Sans toi, hein, si je dégage. Allez, hop, tu dégages, c'est bon, ce coup-là. Allez, hop. Allez, tu me prends. Là, encore, je veux bien tout faire, mais sans toi. Allez. Tu me le vires complètement. Je sais pas comment elle a fait, Christine. Allez, hop. Oh là, non. Je le vire. Non, non, là, il y a. Et on accueille Hugo Frey. Et pendant ce temps-là, la place d'Esteban. Et sur le Minitel 36.1 sur la radio, il y a Savannah qui dit GG. Rappelle-moi pour ton débat, je serai réveillé avec ma voix sensuelle de chatte qui attend son GG. C'est une mytho encore. Si en plus elle peut m'exciter, alors c'est la totale. Qui c'est qui dit ça? C'est celui qui est parti là. Non mais oh. Quand je vous demande de dégager un mec qui dit que des conneries là. Ça y est, il est viré là. Il est dégagé. C'est bon, reprends ton débat, t'énerve pas ailleurs. Il est parti. Faut-il prendre l'alphabet au pied de la lettre? Bah, c'est un jeu de mots, ça. Ouais. C'est genre au casque qui a fait les questions. Cynthia.
Ouais, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que là, j'ai pas compris. Bah, faut-il prendre l'alphabet au pied de la lettre? Bah oui, mais est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que là, j'ai pas compris. Bah, j'ai pas eu le temps de regarder. J'ai... Non, c'est surtout que c'est pas toi qui as fait la question. Oui, alors ouais, pose une question que t'as faite, parce que là, franchement. Ouais, ce sera mieux, Gérard. Hein. Ouais, non, mais moi, si je vois qu'il y a. Tu la comprends pas, la question de ton nom. Mais parce que j'avais. Il y a un demandé... jeu de mots dedans, tu les comprends pas. Tu ouais, comprends pas. Allez, c'est une question que t'as fait là. De manière, combien de lettres, alphabet? Qui c'est qui parle là? Bah, elle est partie là, on l'a virée déjà. Non, non, mais moi je voudrais que vous donniez vos noms là. Il reste Jean-Christophe et Hugo Frey. Bah, c'est pas moi, regarde ma voix, Jean-Christophe, tranquille, je suis. Et Gégé? Oui. C'est Véronique. Mmh. Tu peux nous réciter l'alphabet sur un fond de musique? Non. Bah, comme allez. Chantal Goya, vas-y. Qui c'est ça? Bah, il a rien dit, il a dit Chantal Goya. Non, non, mais attends, hey. Mais ils ont rien dit là. Non, attendez. Chantal Goya, c'est une insulte ou quoi? Il y a un chiffre qui dit Gérard, faudrait déjà que tu lises l'alphabet pour comprendre la question. Il y a un chiffre qui dit sur Minitel qu'il faudrait déjà que tu lises l'alphabet pour comprendre la question. Tiens, Gérard, tu peux nous réciter l'alphabet? Ouais, non, Gérard. Non, récite-nous l'alphabet. Gérard, allez. L'alphabet. Allez, je t'aide. L'alphabet. Non, t'as déjà un peu, toi. L'alphabet. Non. Allez, je sais. Non, vous répondez à la question. L'alphabet. Tu récites l'alphabet, on dit rien. Mais je vais faire. Oh non, mais attendez, vous voulez pas répondre là? Si, c'est l'alphabet ou on raccroche. Ah bah non, si vous voulez pas répondre, vous dégagez. L'alphabet, moi je veux bien répondre. Qui, toi? Jean-Christophe. Vas-y. Ouais, donc, je pense qu'il faut... Ouais, exact. Je pense qu'il faut quand même apprendre son alphabet. C'est certain, Gérard. Hugo Frey. Hugo Frey. Hugo Frey. Ouais, là. Ah, tu travailles? Ouais, mais non, mais attends, j'étais en antenne. Ouais, c'est ça. Donc l'alphabet, c'est important pour écrire des lettres. Enfin, des mots, quoi, faire des mots dans des phrases. C'est Mandarine, j'ai une question. Ben, ouais. Est-ce que tu sais qui a écrit l'alphabet? Non. Certainement pas Gérard, mais bon. Bon, qui c'est celui-là? Jean-Christophe, c'est Jean-Christophe, je veux dire. Bah ouais, c'est Jean-Christophe. Je viens. Alors, on accueille. Attendez. On accueille Steven, membre des Rubettes. Ah, quand même. Et on accueille Petit Tonnerre. Salut. Salut, Petit Tonnerre. Salut, Gérard. Ouais, salut. En fait, c'est des malins, en standard. Oula, téléphone est pourri, là. Eh, te laisse pas faire, Gérard, c'est des malins, c'est pas bien. Allô, peu importe, c'est quoi la question? Non, je suis désolé, t'as un téléphone pourri, tu vas dégager. Eh, t'emmerdes mon téléphone, toi, allez, tu laisses la faire, tu fais le dégage. Allez. Bonsoir, Gérard. Qui c'est? Steven, un des membres des Roubettes. Bonsoir. Merci, écoute. Bonsoir, Tony, bonsoir, Arnette aussi. Non, pas du tout. Ah non, c'est membre de Gugu. Attention, là, qui c'est, là? C'est Gugu. Non. Qui c'est? Ouais, tu me le dégages, là, celui-là, là. Celui qui a un téléphone pourri. Celui qui a un téléphone Olivier. Allez, où il est? Mais non, il est pas pourri son téléphone, il a que ça, il est pauvre, on n'y peut rien. Alors il y a que les riches qui ont le droit d'appeler dans tes débats. C'est dégueulasse. Ouais, Steven, on t'écoute. On t'écoute, Steven. Yeah, alors, je parle un peu français, je suis de Londres, je suis Steven des Roubettes. Ouais, vas-y. Ouais, bah précise ton nom. Petit Tonnerre. Alors d'abord bonsoir à tous. Ouais. Hello. Hello everybody. Sans vous celui-là. Bonsoir. How are you? Bonsoir Gérard. Bonsoir. L'écritou. Alors. L'écritou. Non mais précise ton nom. Ouais, déjà c'est... Attendez. Déjà c'est toi qui vas préciser ton nom. C'est Petit Tonnerre. T'as dit que j'avais un téléphone portable. T'as déjà oublié? Alors tu dégages. On laisse parler de Steven, il est anglais. Ça coûte cher. Tu dégages Petit Tonnerre. Allez, il dégage Petit Tonnerre. Wow. Steven, alors Steven, je suis tout. Bonsoir. Hello. Eh, vous êtes sûr, c'est là ou quoi? Écoute un peu, ils sont plus là. Alors arrête. Bonsoir. Bonsoir. Je peux parler? Ouais. Alors bon, moi je veux parler de l'écritou. Moi je trouve que c'est important de la voix de l'écriture. Et because l'écriture c'est permet d'écrire aux gens et ça permet surtout d'écrire. D'accord. Ok. Hugo Frey. Hugo Frey, s'il te plaît. Non, l'écriture c'est très important. C'est bon, Steven. C'est bon, Hugo Frey. Il y a Savannah qui est d'accord pour t'apprendre l'alphabet sur ses seins. Hugo Frey. Yeah, hello. Donc, merde. Bonsoir Steven. Bonsoir Steven. Hello. Moi je suis un chanteur français. Thank you. Donc, should have got a baby love. Sugar baby love. Should have got a baby love. I can live without you. Yes. C'est important.
Ah là, je suis un grand fan. Non mais attends, tu permets, quand je pose la question, il répond à la question, d'accord? Bah ouais, c'est normal. Ok, j'ai pas entendu, tu parlais pas dans ton micro. Parce que l'écriture à Londres n'est pas la même que la Paris, hein. Déjà, il y a combien de lettres dans l'écriture, dans l'alphabet à Londres? Il doit y en avoir 29, je crois, 3 de plus que la Paris. Et Gérard, en France, il y en a combien? J'en sais rien. Ah bah pour lui, il doit y avoir 3 lettres, hein. Et Steven? Yes. Tu connais l'alphabet en anglais? Mais c'est qui pose cette question? Il est sous anglais, alors je parle, bien sûr, je parle l'anglais. J'aimerais changer de nom parce que Gaufret, ça fait un peu ringard. Et moi, j'ai l'impression que Steven, c'est pas un vrai américain. Non, petit tonnerre, tu dégages. Non, mais c'est ce que je pense. Petit tonnerre, tu dégages. Je suis pas américain, je suis anglais. Et ouais, mais précise ton nom. Steven de Roubaix. Ouais, très bien. Mais moi, j'ai pas l'impression, toi, à 13 ans, tu dois avoir dans les 13 ans et demi, 14 ans, non? Ouais, mais peu importe. Petit tonnerre, tu dégages. Ouais, mais Gérard, je t'ai dit, je t'aime pas. Tu dégages. Bon, putain, et moi, j'arrête, c'est pas la peine de continuer le débat. Non, il va dégager. Vous le dégagez pour de bon, ce coup-là. Mais non, reste avec nous. Mais non, je sais, on veut que toi. Il y a Chewbacca sur Minitel qui demande à Gérard quel est son style d'écriture. J'en sais rien. Et c'est plutôt gothique. Essayez d'être un peu plus intéressant sur Minitel. Ouais, ben c'est bien, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à envoyer les thèmes de débat. Ouais. C'est Véronique. Ouais. Tu peux nous réciter l'alphabet en chantonnant? Véronique, tu commences à me faire chier. Mais non, mais arrête. Ah, merci. Il connaît même pas, il va pas plus loin que D, laisse-le tranquille. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais. Bon alors, Véronique, tu dégages. Hop. Véronique dehors. Véronique dehors. Parce elle m'énerve. Ouais, salut. Petit tonnerre dehors. Il est là, petit tonnerre. Non, je viens de la voir. Non, mais là, c'est petit. Eh, mais petit tonnerre, laisse-le parler à Fielder. Pour une fois, Fielder, il est pas idiot. Non, ouais. Mais moi, j'en veux pas. Petit tonnerre. Ouais. D'accord. C'est petite foudre à l'appareil. Ouais, mais il y a un pote à moi qui voulait te parler. Il s'appelle... tu sais... Oh, vous fermez, vous écrasez. Petit tonnerre, t'appelles d'où, toi? Il y a Sandy qui laisse sur Minitel. J'appelle pas loin, à côté de, tu sais, à côté des tentes, les petites tentes nord, là. Ouais. tu connais le Valois? Eh oh ouais, c'est toi, il a géré, toi aussi, avec moi? Ou tu as envie de te branler avec le micro? Pauvre con, va. Tu fais quoi, samedi? Ça te regarde pas, ça. Tu te dirais pas, on fait du basket? Ouais, mais pas avec Gérard. Hein. Bon, alors tu dégages, petite. Ouais. Oh, vous me dégagez, petite merde, pour de vrai ou pas? Mais c'est pas parce que tu. Putain, mais il sort d'où celui-là? Il y a Sandy sur Mitel qui dit: Monsieur, madame Manjoui ont un fils, comment s'appelle-t-il? Gérard Manjoui. Mais t'es bidon à la pro. Allez, Gérard, troisième question, s'il te plaît. Je sens que tout à l'heure, je vais arrêter à la quatrième, ça va aller très vite ce soir. Attention, hein. Tu sais que compter jusqu'à quatre, alors ça t'arrange. Gérard, pour calmer les esprits, on accueille Richard Klederman. Bonsoir. Non mais attends, bonsoir. Les mecs ils vont tous passer, ils vont tous prendre des noms bidons. Ah, Richard, pas mal. Ah, salut, c'est petite foudre à l'appareil. Salut, petite foudre, je vais te proposer une symphonie. Non mais Olivier, c'est quand tu veux, hein, tu m'aides à gérer. Pauvre con, allez moi je. J'aime beaucoup ce que tu fais, Richard. Oui, tu sais. Max, je joue au Camerie, c'est pas moi qui le fais. Ah bon. C'est clair, moi je compose pour moi. Bon, tu me l'es. Mais qu'est-ce que je fais avec les auditeurs? S'il n'y a plus d'auditeurs, c'est plus de débat. Brahms. Eh, je sais, quand est-ce que tu poses tes questions, bordel? Attends, toi, tu vas déjà t'écraser. Ouais, en plus, quand on t'emmène, t'as un téléphone portable sur ton standard. Non, toi, petit tonnerre, c'est toi qui dégages. Mais je t'ai dit, je t'aime bien finalement. Bon, tu dégages. Mais je t'aime bien, je te trouve. Tu dégages. Si, je t'ai vu. Tu dégages. Bon, vous lui raccrochez au nez pour de bon. Non, mais moi, ça va. Je veux pas que ça meure, il dégage. Tu as tellement de bites qu'au moins de petits efforts, tu transpires du sperme. B comme bit dans la loco, ça fait déjà une lettre. Alors moi. Ouais, mais dérivez, faut pas dériver. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. T'écoutes. Bonsoir. Max, s'il te plaît, tu reviens. Alain Farmer à l'appareil, le mari de Mylène. Moi, j'arrête. Ah, c'est le mari de Mylène Farmer quand même qu'on a. Ouais. Ça rigole pas. Non, mais Gérard, t'as des stars dans tes débats et tu fais le con là. Non, pour l'instant, c'est vous qui faites. Vous savez pas gérer un standard. Quand oui, comme par hasard, comme d'habitude. Monsieur. Allô. Monsieur. Dans tes débats, Gérard. Monsieur Ferme. Oui, bonjour, oui. Monsieur Farmer à l'appareil. Monsieur Farmer. Alain Farmer. Oui.
Max. On vous appelle. Oh, Max. Bah, j'arrive. Merci pour vous. Max, s'il te plaît. Non, il a pas compris. Non. Ouais. Bon, Gérard. Lui, ouais, il fait rien, il est en train de se branler avec le micro. Quand on leur demande quelque chose, ils veulent rien foutre, moi j'arrête, je rentre chez moi. Dites-moi, monsieur Gérard. Monsieur Gérard. Va, toi, tu dégages. C'est Alain, Alain Farmer. Tu dégages. Tout le monde en antenne. Ça, ça commence à bien faire. Bon, réunion, réunion, Fildard. Fildard, réunion. Fildard. Ça, là, ça commence à bien faire, ça fait trois fois que c'est la merde. Je peux pas être au téléphone et faire une réunion. Non, 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 non. Ça fait trois fois que c'est le bordel, j'ai arrêté, c'est terminé. Maintenant, je rentre chez moi. Tu rentres chez toi, là? Non, tant pis, il est 3h03 du matin, c'est tout. Là-bas, ça merde quand tu leur demandes quelque chose de virer quelqu'un. Quand on, en plus, j'ai entendu un peu tout à l'heure, quand on demande de virer quelqu'un, Fildard et Manu, putain, écoutez, au moins Gérard, c'est lui le chef. L'autre, il est en train de se branler avec le micro, tu vois. Tu lui demandes quelque chose, il n'en a rien à foutre. Alors donc, c'est même. Eh ben, tu lui demandes de partir de la pro, il n'y a pas besoin de lui, tu t'en occupes toi-même. Ouais. Non, non, mais c'est pas la peine de continuer comme ça. Tu devrais venir ici à ma place. Non, non, mais tu te démerdes, tu mets un disque, je reprendrai qu'après. Bah, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Déjà, moi. Ça portait bien. Non, 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 non. Ça portait bien. On a pris trop de trucs en plus. Ça portait bien, ta petite honneur qui arrêtait pas de dire des conneries, ou Gaufret, l'autre aussi. Monsieur Farmer. Non, mais attends. Véronique. Véronique, elle se fait passer pour un autre nom. Elle était déjà dans le premier débat. Elle se fait passer pour un autre nom. Il y a des gens. Ok, ils bossent au moins au standard ou pas? Non, même pas, ils prennent personne. Alors donc on met un disque et puis on termine. Suite des débats du jeudi. Donc si vous voulez continuer de nous appeler, s'il vous plaît, les filles, réveillez-vous. J'ai besoin de plus de piques que de mecs au standard qui puissent réagir sur l'écriture. Ça me fait bien plaisir. Et sur Minitel aussi. Donc les numéros, c'est 0803 08 5000. Et 0803 08 5000 et 0870 5000, 3615, code Fun Radio, rubrique direct. Là, sur Minitel, il n'y a que deux connectés. Et soi-disant, une dénommée Sandy qui me connaît, moi je te ne connais pas. Donc tu vas arrêter. Non, et puis sur Minitel, il faut laisser des messages qui sont avec le débat. Il faut arrêter de se plaindre qu'on ne lit pas vos messages parce que sinon ça sert à rien. Quoi. Voilà. Donc il est 3h12 et je voudrais bien que vous vous réveillez un petit peu. Donc on va accueillir Amandine. Et on parle pas de Christine, du pont de l'Alma, tout ça, parce que c'est pas bien. Ouais, parce que là, ça commence à me prendre la tête, et ni de... Sandy, ni des chats de la loco, ni de coton-tige, tout ça. Voilà. Donc on accueille très sérieux. Amandine. Bonsoir Gérard, je ne parlerai pas de tout ça, c'est promis. Ok, Céline. Bonsoir. Bonsoir, réveille-toi s'il te plaît, parle bonsoir. Plus. Bonsoir Gérard. Bonsoir. On n'entend pas là, hein. Bizance. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Luc, excuse-moi. Oui, bonsoir. Déjà, je voudrais dire que la dernière fois, quand il y avait Jean-Luc, c'était pas moi, donc, merci. On a été pas d'accord. Confucius en plus. Et Mylène. Confucius et Mylène. Salut. Mylène. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et Confucius. Oui, bonsoir. Le grand sage. Ou tu peux m'appeler Clarinette, hein, c'est comme tu veux. Tu commences pas, s'il te plaît, parce que je vais pas m'amuser sans arrêt arrêter, ok? Je te laisse le choix, Clarinette ou Confucius. Bon, bah, tu as déjà commencé par te calmer. Je suis calme, rassure-toi. Bon alors, faut-il prendre l'alphabet. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, ça y est. Salut. Bonsoir. Salut. Bon, ça y est. Hi. Oh, vous calmez là. On peut peut-être dire bonjour à Marc Astor. Hein. Bonjour les filles. Salut. Bonjour. Salut Gérard. Il faut que j'ai dire bonsoir à chaque fois non plus. Bon. In nomine Patris. Amen. Salut Gérard. Bon, ça y est, Confucius. T'as fini ton cinéma? Moi je suis pas baignure, attention. Hein. Non, mais je te demande si t'as fini ton cinéma. Je te réponds, je suis pas baignure. Parce que tout à l'heure, si t'arrêtes pas, tu vas pas rester longtemps, toi. Allez, vas-y, Covadis. Attendez, excusez-moi deux secondes. On a accueilli aussi Cure-Dent. Cure-Dent. Et Coton-Tige. Salut, Cure-Dent. Alors, attends, qui c'est qui vient de sortir ça? Je crois que c'est une nana, mais je suis pas sûr. C'est une nana que j'ai entendu. Ouais, moi aussi. Non, c'est un mec qui a pris la voix d'une nana. Non. Non, c'était une nana. C'est une nana qui a dit ça. C'est qui a sorti ça? C'est pas moi. Bah, c'est une nana, faut la jarter. Réponse à l'autre, faut la jarter. Oh, grand sage. Allez. Soyez polis un peu avec les filles de temps en temps. Bah, je sais qui c'est Mylène. Là, c'est bon, je la jarte, c'est Mylène. Gérard, on y va dans le débat, on commence? Ouais, vas-y, ta question. Il y a encore Hanson, voilà. Hanson. On peut y aller? Hanson. Gérard. Salut, attends, celui qui s'amuse à chanter, tout à l'heure, ça va éclater. Non, mais Gérard, faut-il prendre? Vas-y, réponds, bon, attends, bonjour. Silence. Voilà, je les ai coupés, pose ta question.
Donc, faut-il prendre l'alphabet au pied de la lettre? Maintenant, ils vont répondre. Et... On n'a pas répondu. Putain! Non, on a déjà répondu. Alors, au pied de la lettre, c'est amusant quand même pour l'alphabet. Hein. Allez, on récite tous l'alphabet en même temps. Je prends. Et comment ça se fait que c'est encore à peu près les mêmes voix de nana qu'on a eues tout à l'heure? C'est scandaleux, c'est les nanas qui triquent. Manu et Fidda, vous les connaissez, putain. Parce que quand je pose la question, c'est bizarre, les nanas me disent on a déjà répondu, donc apparemment c'est encore les mêmes. Elles ont peut-être répondu chez elles. Ouais, mais Steven, précise ton nom. Tu vas pas, GG? Je t'écoute. Il y a Anguille sous Charité, là. Ah, il y a Louise Figio sur Minitel qui vient d'arriver. Ça y est, GG, j'emménage chez toi. Quand tu arriveras, sois gentil. Amène des croissants et fais pas de bruit pour pas réveiller Sandy, car je l'ai épuisé, on a baisé toute la nuit. Eh ben, toi, mon pote, tu aurais pu faire foot. Sandy, c'est une salope. Alors, tu dégages, toi, pétasse. Allez, hop, la pétasse qui vient de dire Sandy. Je crois qu'elle parlait pas de la tienne. Non, presque pas. Faut pas prendre les gens pour des cons. Ça peut être sa sœur, une amie à elle. Non, ouais. Non, mais elle a bien précisé. Non, parce que, oui. C'est la salope qui m'a pris la mec. Bon, est-ce qu'on peut poser les questions, là, parce que ça traîne ton débat, là. Donc, la quatrième... Oh, il a picolé ou quoi? Bon, si t'es pas content, tu dégages. Il est bourré. Moi, je réponds. Qui? Cécile. Vas-y. Ouais, il faut apprendre l'alphabet au pied de la lettre pour savoir écrire. N'importe quoi. Attends, Cécile. Donc, celui qui vient de dire n'importe quoi, c'est comment ton nom? Confucius. Ouais, bah, Confucius. Ouais, ou clarinette, on sait, ouais. Mais de toute façon, ils font n'importe quoi. Mais je n'ai pas répondu encore là, depuis le début. Hein. Bah alors, tu réponds. Parce que je me fais chier depuis 5 minutes, mais j'aimerais bien. Tu réponds. Confucius, bon sage. Alors, la question c'est. La question c'est que tu redégages au standard. Bah voilà, tu sais même pas la question, clarinette. Je vais répondre à la question. Tu le vires. Je réponds à la question de Gérard qui est, tu retournes au standard, je lui réponds non. Bah ouais, c'est pas ça la question. Bah non, c'est pas une question ça. Si, moi je te dis que si. Faut-il prendre l'alphabet au pied de la lettre? Bon, tout d'abord, je tenais à me présenter parce que je m'appelle Confucius, c'est pour gagner l'anonymat. Donc, non, mais ça y est, on t'a reconnu, de toute façon. Je suis Arnett. Bon, qui c'est celui qui fait la voix de mec, là? La voix d'un gamin? On dirait, c'est marrant, on dirait l'alligator. C'est qui, là? Cyril l'alligator, on dirait. C'est qui, là, celui-là? L'alligator. C'est l'alligator. Allez, tu dégages. Voilà. Donc, Confucius. Oui. Donc, si tu veux répondre, tu réponds. Oui, je veux bien. Alors, vas-y. Alors, bon, je suis professeur d'arithmétique, ce qui va sûrement vous aider. D'arithmétique. Oui. D'arithmétique, pardon. Oui. Ouais. Bon, moi, je pense que prendre l'alphabet au pied de la lettre, je pense pas que ça serait plutôt important de le prendre plutôt aux bouches de la lettre. Parce que l'alphabet ne démarre pas par le pied, il démarre directement dans la bouche. Ouais, mais à l'épaule aussi, il y a l'épaule qui joue un rôle quand même important. Non. Qui parle par-dessus, là? Non, mais là, c'est un débat, donc s'ils veulent intervenir... Mais non, mais qui donne son nom quand il parle. Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc. Donc, pardon. Donc moi, dans mon écriture, c'est très important, l'écriture se divise en deux, trois parties. Très succinctes les unes aux autres, que je vais diviser en 24 parties. Non, mais Confucius, c'est pas le thème du... Laisse-le aller au fond de la pensée, vas-y. Oui, c'est-à-dire... Grand un, petit A. Disons que le pied de la lettre, c'est intéressant comme question, Gérard, je vous trouve très sympathique d'ailleurs au demeurant. Ça dépend quelle lettre quand même. Voilà. Alors quand vous dites au pied de la lettre, c'est quelle lettre? Ouais. N'importe. Alors bon, moi je vais prendre comme exemple la lettre à Élise. On a eu la chance d'avoir Kederman tout à l'heure. Chanson au pied de la lettre, bien entendu, dans l'ambiguïté des gens qui donneraient la possibilité. Oui. Je pense que la lettre naquit en 1432. Ça y est, c'est bon, Confucius, parce que t'as... En parlant de la lettre à Élise, est-ce qu'on pourrait pas dire que prendre la lettre à Élise au pied de la lettre... Tu le vires. D'où les pianos à pied, d'ailleurs. Attendez, je n'ai même pas le temps. C'est bon là, parce que j'ai... J'ai même pas le temps de terminer ma prothèse, ma thèse. Non, allez, Attends, Manu, j'ai... Ah merde. Bah mets-moi là en air. Ça voudra... mets-moi là en ce que tu veux, là, moi, je vois plus l'entendre, là. Non, mais Gérard, il me laisse même pas parler. Allez, c'est introductif. Non, Gérard, je crois que Confucius a soulevé une idée importante. Non, mais c'est bon, Confucius... On accueille. Oui. On accueille Carla. Carla, bonsoir. Putain... Bonsoir Carla.
Bonsoir. Salut, Cochon. Salut, salut, Carla. T'es qui, toi? Moi, je suis Barbara. Bon. Préférez-vous le R majuscule ou le R de rien? Ou le R quoi? Ou le R de rien? Ou le R de rien? Merci, Confucius. Gérard, qui a rédigé les questions, Gérard? C'est pas lui, hein? Confucius, tu t'écrases, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, tu as gerbé pour de bon. Qui a rédigé les bon, allez hop, questions. Celui qui s'amuse à dire qu'il est con, allez hop, maintenant tu me le vires, celui-là. La pistache sur Mittal qui dit Christine l'a appelé, et elle te rappelle de ramener les croissants et les crocs. Et Christine, elle préférait ton petit R à toi. Tu me vires, Confucius. J'ai. Ok. Mais je n'ai rien dit, hein. Je veux pas le savoir. Tu dégages, tu dégages. Tu dégages. Tu dégages, Confucius. Oh putain, mais c'est pas vrai. Merci. Bonne nuit. C'est comme ça. C'est comme ça. Eh ouais. C'est vraiment une aide, ce mec. T'as la haine, Confucius. Ouais. GG. Oui. Je peux demander un truc. Vas-y. Est-ce qu'on peut laisser Confucius nous donner l'origine de l'écriture? Non. Ah, tout à l'heure, ça nous intéresse, pas, c'est Confucius. Hein. Non, mais de toute façon, il est parti, Confucius, donc on va continuer le débat. Gérard, vas-y, attaque. Ah, d'accord. Et tu gères un peu, Gérard. Okay. Ouais, c'est bien mauvais, joué, super, ouais, c'est bien. Mais, alors, Amandine. Écoute-moi, la friture, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Mmh. Je trouve que ça sent mauvais dans les escaliers. Mmh. Et j'ai pas noté les références du truc qui passe à la télé, dans la pub, là, pour que ça sente plus mauvais dans les escaliers, la friture. Bon, ok, alors, okay, eh ben, c'est bien, Amandine. Ouais, j'ai envie que Manu me calme aux antennes. Je veux le terme du débat. Bon, allez, hop. tu la dégages complètement, tu la calmes même pas, tu la vires. Je veux le terme du débat. Bon, bah, arrête de manier. Mais... en pleine crise, là. Allez, Cécile. Allez. Oui. Tu réponds à la question? Donc, Confucius, tu me disais quoi? Ouais, parce qu'en fin de compte, moi, je suis pas Confucius, je suis chaperon rouge. Ah, okay. Chaperon rouge? Ah ouais. Et Les gars, vous êtes sur antenne, c'est tout. Tu me passes pas à l'antenne, hein? Non, t'es hors antenne, là. Et tu diras à Gérard que je suis en train de lui préparer un truc chez lui, là, que je vais venir chez lui avec des copains. Mm-hmm. Et que même s'il prévient les flics et tout, de toute façon, je vais mettre. Attends, rien à foutre, hein. J'ai mis son numéro de. Le numéro de sa copine Sandy sur l'internet. Mm-hmm. Et je suis à l'antenne, là, ou pas, non? Non, t'es au standard, t'es au standard. Pas trop fort. Et tu me passeras Fildar, parce qu'avec Fildar, c'est avec lui que j'ai préparé un truc, ça fait 15 jours, là. Ah, ok. Donc c'est avec Fildar. Ouais. Ok. Tu peux me le passer parce que je suis en train de. Oui, bah pas de problème. C'est lui qui t'a donné l'adresse de GG, c'est ça, le numéro de portable? Non, c'est moi qui lui ai donné, mais je lui avais dit qu'on avait préparé un truc sur internet. Et tu sais, Chapeau Rouge, là, dis-lui que je suis Chapeau Rouge qui me passe le mot. Ok, c'est bien. Mais ouais, tu me passes pas, fais gaffe, tu me passes pas, Gérard. Non, c'est bon. C'est Chapeau Rouge pour toi, tu sais, le coup que. Vas-y, Gérard, écoute peut-être. Allô? Ouais. Ouais, c'est bon. T'es là? Chapeau Rouge. Et ça va? Ouais. Et tu sais, le truc que tu m'as demandé de faire sur internet. Ouais, bah je t'ai demandé, ouais, de foutre le numéro de Sandy. Ouais, et bah ça y est, c'est fait. Ah, ok. Donc tout le monde là. Photo à poil, non? De toute façon, j'ai l'adresse de Gérard. Ah bon? Ouais, c'est comment elle s'appelle? De quoi? La petite, là. La colombe? Ouais. Ouais, c'est la colombe. Il m'a donné le numéro. Ouais. Ok. Et ouais. En fait. Enfin, c'est pas elle qui m'a donné, mais j'ai son numéro à elle aussi. Ah d'accord. Et tu me dis pas à Gérard? Non, mais je dis rien à Gérard. Ah. Mais donc c'est toi qui étais avec la colombe l'autre fois? Ouais. Tu sais, quand tu l'appelais à 4h du matin? Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais j'étais tout seul parce que lui, il croit qu'il y a Tony, ça, machin, mais je suis tout seul, moi. Il faut faire croire à Gérard et tout. Ouais, mais t'inquiète pas, de toute façon... Tu peux me passer sur l'antenne ou pas? Ouais. Ah, tu donnes un faux nom, t'as quand même donné... C'est vrai, tu m'as fait appeler Raclette. Ok, bon, on t'appelle Raclette, ok. Ok. Bon, on y va, tu bouges pas. Ok, ça roule. Ah, sur Minitel, il y a... C'était Gérard, je suis avec Sandy dans ma chambre et elle me demande de me foutre des cotons-tiges dans le cul, ça lui rappelle des bons souvenirs. N'importe quoi. Bon Gérard, on accueille Raclette. Ouais. Pose ta nouvelle question, c'est parti. Bonjour Raclette. Salut Raclette. Salut. Bonsoir tout le monde. Ouais, je fais du cul. Salut Raclette. Bonsoir Gérard, bonsoir. Salut Raclette. Salut. Donc, alors, normalement on a Cécile. Oui. On a Bisange. Oui, c'est Bisance. À Byzance, pardon, excuse-moi de décorcher ton nom. Salut. Alors. On a Jean-Luc. Jean-Luc. Jean-Luc, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Carla. Oui, Jean-Luc. Et Raclette. Jean-Luc, à l'inverse. Ouais. Turnon. Et Barbara. Et Barbara. Qu'est-ce que c'est que Barbara, là? Mais non, mais c'est... Jean-Luc, ah, mais c'est bon, ça fait on a tout ça. Et Turnon. Turnon, Mylène. Allô.
Mais t'inquiète pas, on a 8 lignes maintenant, on a fait des travaux. Allez, c'est moderne. Refaites-moi une liste. Gérard, le papier, c'est Analphabète. Bon, alors, c'est Amandine. Ouais. Tu m'as toujours pas viré. Moi, je t'avais dit que je voulais que Manu me calme hors antenne et je suis toujours pas calmé. Là, ça va pas du tout. Hein. Eh ben, Fildar, il va te calmer hors antenne, d'accord? Ok, ouais. Gérard, la question, c'était quoi, s'il te plaît? Il va te caresser l'arrêt des fesses, tu vois, ça te fera du bien. Tu sais qui vient de dire ça? Non, mais vous êtes prié de donner les noms quand vous dites des saloperies. Bernard. Gérard, j'ai pas encore répondu. Pose une question. Jean-Claude. Bah. Oui, pose une question, s'il te plaît. Ouais, c'est Raclette, là, tu peux répondre? Vas-y, Raclette. Alors, Raclette, il est moins repassé aux antennes, il voudrait dire un truc à Fildar, c'est possible? Ouais. Fildar, il va te toucher l'arrêt des fesses aussi, fais gaffe. Hein. Ok, on repasse. Pas de problème. Donc, faut calmer Amandine. Ok. Allô, Raclette? Ouais. Ouais, t'es hors antenne. Ouais, c'est Max, là. Ouais. Il est là, Max? Mais non, il est pas là. Tu peux pas me le passer? Bah, je sais pas où il est, mais qu'est-ce que tu veux? Faut pas que tu lui dises non plus, parce que. Mais qu'est-ce que tu veux, Raclette? C'est pour dire que on lui prépare un truc vendredi à la loco. Ah bon, quoi? Des affiches où ils sont enculés dans les chiottes de la loco, on va mettre des affiches partout. Oh non, mais c'est chiant, Raclette, change un peu, c'est toujours la même chose. Tu peux faire un autre truc, quoi, où ils se tributent la queue, ou je sais pas. Il y a le mec de Belgique qui m'a appelé aussi, qui fait les vidéos. Fesse de babouin? Ouais, il demande si c'est possible d'avoir que vous pouvez me donner des images de Fun TV, comme ça on fait des cassettes. Ouais, pas de problème. C'est vrai? On va t'envoyer ça, ouais, on va les trafiquer. Parce qu'on les vend et vous pouvez vous faire de l'argent aussi. Ouais, ok, pas de problème. Voilà. Bon, bah ça marche. Dites rien à Gérard, hein, vous. Non, t'inquiète. Je vous donnerai mon adresse. Ok, bon, on te refoue à l'antenne. Ouais. C'est parti. Donc, vous avez calmé Amandine? Ouais. Ouais, ça y est, je suis calmée, ça m'a fait beaucoup de bien, merci Gérard. Ok, donc, Cécile? Oui? Lisange? Tu peux poser ta question, s'il te plaît? Ouais, mais permettez que je reprenne tout ce qu'il y a maintenant. Ouais, on peut avancer un peu dans le débat, putain. Qui c'est qui dit ça? Bernard. Je sens que ça va virer vite fait, là, j'ai l'impression. Byzance? Oui? Donc toujours là, Raclette? Oui, mais moi je vais y aller, moi. Ta mère! Comment? Quoi? J'ai cru mal entendre ce que vous venez de dire. Il a dit ta mère! Mais qui c'est qui... Olivia, s'il te plaît, tu me coupes pas le son de mon casque pour savoir qui c'est qui s'amuse à dire ça. Non, mais c'est pas possible. C'est Raclette, je vais vous laisser, là. Salut, Raclette. Salut, Raclette. Au revoir, Raclette. Il peut pas parler. Les. Bonne nuit. Cure-dent. Non. Bonne nuit. Cure-dent. Ouais. Tu te réveilles? Réveille. Carla. Oui, Gérard. Olivia, tu peux pas chier avec tes doubles voix et tu ne réponds pas à ma place. Carla. Oui, je viens de te dire. Jean-Luc. Et Mylène. Jean-Luc. Bon, et Olivier, tu commences à me faire chier, toi. D'accord? Moi, ça va. Bon. Gérard. Oui. C'est Barbara. Oui. Je t'écoute. Oui. Est-ce que tu pourrais te poser une question, là? Parce que je trouve que le débat, vient, c'est pas trop. Non, mais il y a que des réponses. Toi, t'as envie qu'on te touche l'arrêt des fesses, toi aussi, là. Oui, non, écrivez-vous avec des bons, mauvais caractères. Olivia, tu fermes ta gueule! Maintenant! Oui. Maintenant. Gérard, tu me fais peur quand tu cries. Ouais, Gérard, tu me fais peur, là. J'ai tremblé. Quand t'auras fini de l'ouvrir. Gérard, tu m'excites quand tu cries. Bah, elle a envie qu'on lui touche l'arrêt des fesses, putain. Exactement. Incroyable, c'est que. Gérard, c'était quoi ta question? Écrivez-vous avec. Non, Olivia, s'il te plaît, arrête maintenant. Pose-la en criant, ça m'excite. Tu te calmes un peu maintenant. Ouais. Ça commence à l'épée, hein. Ah, tu voulais me dire un autre truc, Raclette. Attends, vas-y, tu peux parler là, vas-y. Ouais, c'est Chaperon. Allô? Ouais, je suis là. C'est Chaperon Rouge. Ouais, je sais, mets-toi en antenne, vas-y. Ouais, tu sais, quand. Dernier truc là, tu dis pas Gérard, mais comme j'ai le numéro de Sandy, ouais, je l'ai appelé là parce qu'apparemment elle m'a dit qu'elle avait eu un problème. Ouais. Et que normalement j'ai un rencard avec. C'est vrai? Je devrais la voir, ouais. Comme ça, je vais récupérer plein de trucs sur GG. Et tu la vois quand? Je sais pas, faut que je la rappelle, elle m'a dit. Mais t'as eu les infos par qui? Pardon? T'as eu les infos par qui? C'est elle qui me l'a dit. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Elle m'a dit. Mais c'est quoi, c'est sérieux entre vous ou c'est seulement... Non, mais je la connais pas, hein, mais je l'ai au téléphone et tout. Je sais qu'elle est avec Gérard, mais je suis sûr qu'on va la voir avec des copains, avec les mecs de Belgique. On va la filmer, puis on va faire ça de la vidéo. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'ai un copain qui est à Suresnes et tout. C'est le mec qui met, c'est un pote à moi qui met les affiches comme quoi il veut prendre la boîte aux lettres. Ah oui. Il a dit qu'il les avait surpris, il les avait trouvés tous les deux et qu'il va prendre des photos. Ah ouais, comme voici quoi.
Ouais, non, mais on veut faire un... On veut peut-être les donner dans un magazine. Et tu veux te la faire, Sandy? Non, mais je m'en fous. De toute façon, elle est conne, elle est laide. Ah oui. Ouais, mais faut pas lui dire, Gérard. Bah non, mais je lui dirai... Et vendredi, t'as la loco? Ouais, ouais, bah... Avec Max et tout ça? Ouais, on sera tout ça. Mais Gérard sera là aussi, tu peux... Bah, ouais, bah, tu sais, il me connaît pas, il m'a jamais vu, mais moi, je le vois à chaque fois. Et t'es comment? Hein? T'es comment? J'enregistre. Je suis petit brun. Ouais. Je fais 1m67, 68. Ouais. Non, c'est bon, j'enregistre. J'ai 19 ans. Ouais. Et tu seras habillé, tu seras habillé comment vendredi? Genre un t-shirt blanc avec un truc de un peu plus ou moins un truc un peu Mickey et tout. Casse-le. Un Mickey sur moi. Ah ouais, un d'accord. T-shirt de Mickey. Ok, d'accord. Un truc de Walt Disney. Bon, comme ça, si tu veux, on pourra mettre ça au point vendredi. Donc, ouais, comme ça, je peux récupérer. J'ai tout enregistré. Faut que je. Tu sais, Olivier de la Pro, là. Ouais, ouais. Tu pourras me le passer parce que je suis sûr que lui, il peut me faire des trucs. On peut faire des montages, des trucs de production. Ouais, bah attends, tu bouges pas. Tiens, je te passe le téléphone. Ouais, allô. Il y a toujours le débat. Salut, Olivier. Ouais, salut. Si vous mettez pas l'antenne. Non. Il y a le débat, là. Ouais. Bon, et pour passer entre vous, je suis chaperon rouge. T'es chaperon rouge. Le mec qui fait ses Gérard avec des copains. Eh hey, petit con! En production. Eh hey, trop duc! Tu vois, c'est con ce que tu viens de dire. Allô? Ouais, ouais. Eh, c'est con là ce que tu non, viens de dire. Non, mais c'est Gérard, il vient de me piquer le téléphone, chaperon rouge, je peux rien faire. Mais t'es pas en direct, t'es pas compte. Mais tu vois, c'est... Oh putain, voilà. On a les preuves! Merde. Yes! Non! Hein? On a les preuves! Comment ça, non? Qu'est-ce qu'il y a, Olive? Y a plus de bombe. Hein? Ah ouais, mais on a toutes les preuves maintenant! Non. Mais non, mais ah ça non, regarde, enregistré, ça... regarde! On a. Oh putain, mais Olivier! Putain, merde! Non, je continue trop le débat. Oh non! Merde, Olivier! Ah, t'es vraiment un gros bœuf! T'es un gros bœuf, Olivier! Putain, il est zéro la pro, il est zéro! Putain, allez, dégage! Ouais, c'est bon! Non, vas-y, ouais, il y en a bon, battu là! Ouais, il dégage! Mais c'est pas la peine, on arrête! Non, Olivier, franchement, là, tu chies quoi! Allez hop, tu démerdes, Olivier! Ah non! Oh! Oh, mais revenez! Non, mais ils m'ont laissé tout seul! Revenez, oh! On est tout seul! On est là! Il c'est qui? J'ai oublié d'enregistrer. J'ai oublié. Il y avait un mec qui veut lancer tout à l'antenne. Où est-ce qu'il est parti? Il balance tout, il disait qu'il avait... J'ai oublié. Bon, il reste qui, là, exactement? Il reste Cure-Dent. Amandine, Barbara, Mylène, Carla... Vous êtes tous à l'antenne. On est tous là. Voilà. Et Gérard est à la porte en train d'essayer de discuter avec Max. Allez, Gérard, reviens. Bon, Gérard, reviens. Mais il va revenir. C'est bon, les. Vous lui parlez tous les trois, vous lui dites que vous êtes d'accord. Ouais, ouais. Bah, qu'est-ce qu'il disait? Bah, il va rappeler, ça. Il disait tout. J'ai pas écouté, qu'est-ce qu'il disait? Il balançait comme quoi il avait piraté le portable à Sandy et puis tout, alors qu'il a pas son numéro. Si, il paraît qu'il l'a, mais sur l'internet, il va le mettre. Ouais, bah qu'il le met pas sur internet parce qu'il est là. C'est moi qui l'ai, son portable. Donc qu'il s'amuse pas à ça. On va essayer. Je vais écouter. Donc, on récupère Amandine, Céline, Bizange, Cure-Dent, Carla, Jean-Luc, Mylène et Barbara. Ouais. Bonsoir. Salut tout le monde. Salut. Bonsoir. Donc, alors, écrivez-vous. Mon nom, Olivier, s'il te plaît, tu commences pas, là. Putain, ça fait une demi-heure que j'attends. Donc, écrivez-vous avec des bons ou mauvais caractères. Donc, Barbara. Oui, mais à mon avis, ça dépend du caractère de chacun. Mmh. Donc, selon les caractères que tu prends, la phrase, elle change de sens. Ouais. Donc, regarde, avec des petits caractères, t'as des petites phrases. Avec des grands caractères, t'as des grandes phrases. Mmh. Tu comprends ma théorie? D'accord. Mylène? Salope. Mylène, s'il te plaît. C'est une salope. Oui. Tu réponds? Oui. Oh non, mais... Elle est à l'ouest, elle, hein. Qu'est-ce qu'elle a, Mylène, bordel? C'est n'importe quoi, ça. Vas-y, Mylène. Allô, Mylène. Non, mais elle fait autre chose, en même qu'est-ce temps. Qu'est-ce que tu glandes, Mylène? GG. Ouais, Jean-Luc, alors vas-y. Et Barbara, coupe ta radio. Elle fait autre chose, en même temps. Bon, Jean-Luc. Écoutez la radio. Jean-Luc. Présent. Bon, tu réponds, s'il te plaît. Bah, répondre à quoi? À la question. Excuse, j'étais. Il y a Manu qui m'a calmé en antenne, j'étais pas là. Ah, voilà, ça fait une demi-heure qu'on attend. Pour une fois que Manu fait son boulot, excuse, vas-y.
Allô. Allô. Gérard, j'ai réussi à rappeler Chaperon Rouge. Ouais, Chaperon Rouge, c'est Fil d'Art. Ouais, comment t'as eu mon numéro? Attends, on rappelle tous les gens quand ils passent à l'antenne. Ouais, pourquoi t'as raccroché tout à l'heure? Parce que j'ai cru entendre Gérard. Ah ouais. Ah mais je veux pas qu'il sache, moi. Mais non, mais attends, il m'avait chopé le téléphone, je pouvais rien faire. Ouais, mais donc, faites gaffe quand même. Ouais, bon, moi je te repasse Olivier. Ouais. Et tu peux me faire un truc à la pro? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? T'enregistres là. Si tu peux me faire un nouveau remix de Gérard? Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et comme ça, tu me le mets sur une cassette et puis moi je fais des copies. Je peux t'en faire un avec Sandy, ça t'intéresse? Non, on peut, m'en fous d'elle pour l'instant. Ce soir, j'ai mis son numéro sur l'internet alors. Pour faire chez Gérard. D'accord. Tu me fais un remix? Tu peux me le donner la semaine prochaine et puis moi comme ça je fais des cassettes et puis moi je les vends 50 balles. Attends, puis toi je te file 10 balles. Je peux te faire des lasers. Ouais, et puis moi je te file 10 balles sur les lasers et puis moi je les revends. C'est ce que j'ai fait pour les remix et puis il y a le mec de la Belgique qui va faire une vidéo. Ouais. Il va venir filmer, comme il va venir à la loco vendredi aussi peut-être, comme ça il viendra filmer Gérard et puis après on va voir. Ok, aucun problème. Voilà. Je te repasse Fil d'Art. Ouais. Ouais, donc Chaperon Rouge. Mais fais gaffe parce qu'il écoute. Hein. Enfin tu vois, il se méfie d'un truc là. Je pense qu'il y a... Tu parles. Comprends rien lui. Et sinon, je te passe Manu, Chaperon Rouge. C'est toi, Camille Lemaire, devant sa porte et non, ça c'est pas moi ça. C'est qui? C'est qui ça? C'est quelqu'un, mais je donnerai pas son nom. Ah vas-y, tu peux non, aller. Non. C'est une fille ou un garçon? C'est une fille. Ah, okay. c'est une fille. Ouais. Ah, ok. Ouais. D'accord. Bon, c'est toujours pour la loco vendredi. Ouais, vendredi à la loco, je vais mettre des affiches. Et même si je mets pas d'affiches, de toute façon, je prépare des trucs. Ouais. Et je vais distribuer des tracts. Et dans la loco, peut-être, je vais voir. Ok, d'accord. Voilà, et je serai habillé brun et tout avec un t-shirt. Voilà. Ok, bon, bah ça roule, Chaperon Rouge. D'accord. Tu peux, parce que j'ai eu. J'ai Henri, une fois, il m'avait donné son numéro, mais je l'ai perdu. Tu sais, c'est le copain de. Tu connais, c'est le copain de. Bah, je vais te filer le numéro de Gérard. C'est lui qui. C'est, des fois, c'est Henri qui me donne des infos. C'est 0685. Ouais. 20. D'accord. T'en as un. Combien? T'en as un. Ouais. Ok. Ok. Ben, je vais le rappeler, ouais. Ok. Et tu dis à Gérard que c'est pas moi, que c'est pas que Chaperon Rouge, c'est pas moi qui fais les bêtises. Bien sûr. Hein? Mais fais gaffe, quoi, parce que si jamais tu chopes, vu tout ce que t'as dit là, t'es mal. Hein. Et tu veux faire des trucs à la loco ou pas? Je sais pas ce que je vais faire. Je vais l'enregistrer, je vais essayer de le filmer en cachette. Ou en tous les cas, je vais mettre des tracks. Et puis si tu me fais la remix, et ben comme ça, on pourra faire des clips. Parce qu'on a plein d'images de Fun TV. On a fait un clip de 4 minutes. On va le distribuer peut-être pour les chaînes de télé. C'est toi qui mets des saloperies devant la porte de chez Gérard? Non, c'est une fille. C'est une fille. C'est une fille. C'est qui? Tu n'as pas le nom. Vas-y. Je connais le mec qui utilise sa boîte aux lettres. Il va vraiment le faire, quoi. Et pareil qu'il y en a plein qui vont le faire. C'est pas une grosse, la fille qui met des merdes devant? Non. C'est pas Christine? Moi je l'ai déjà appelé, Christine, elle m'a dit qu'elle voulait faire des trucs sur lui. Non. Si. Elle voulait faire quoi? Elle m'a dit qu'elle pouvait me donner des informations sur lui, de comment il était et tout, pour que je l'aie sur l'internet. Comme elle disait qu'il est contenté, il paraît que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour déconner. Mais pareil qu'elle disait. C'était autre chose, non? Quoi? C'était autre chose, il se mettait autre chose, non? Non, mais il disait qu'effectivement, il faisait pipi à côté, je lui ai dit quand même, il dit que c'est vrai, qu'il faisait pas sa vaisselle, et que c'était un porc, et qu'il changeait jamais, et qu'il sentait la transpiration, et qu'il était bourré tout le temps, et elle m'a demandé si c'était possible de le mettre sur l'internet. Ah ouais? Ouais. Et tu vas le mettre tout ça? Je vais voir, ouais, peut-être, ouais. Mais sinon, t'as des projets? C'est Christine qui m'a demandé. Ah bon? Ouais. Mais c'est quoi les projets sinon? Elle m'a dit qu'elle me fait des 100 balles si je le mets. 100 balles? Ouais. Putain, attends, tu te fais arnaquer là. Tu vas être riche? Non, mais elle me paye en chèque. Hein. Ah ouais, ah bah c'est bon, je suis pas en liquide. Okay. Ah bah c'est bon. Comme ça, je peux pas me faire avoir. Ouais, ok. D'accord. Bon, ce qu'on fait, tu passes plus à l'antenne là. Non. Ok. Attends, sinon. Attends, Manu, je te passe Manu. Chaperon Rouge? Ouais. Ouais, Tony, Arnett, Luigi et tout ça, ils sont avec toi ou pas? Je les connais, ouais. Tu les connais? Surtout Tony. Ok. Ouais. Tony et Arnett, c'est les deux que je connais le plus et ouais. Allez, c'est bon à savoir. Et Constant. Constant, c'est un enculé parce que lui, il dit toujours qu'il fait rien, mais c'est le plus enculé. Ouais. C'est lui qui a tout manigancé au début. Mais Tony, au début, il a fait plein de trucs avec David, Luigi, tout ça, ils étaient tous dedans. Ah ouais, d'accord. Ils n'arrêtaient pas de dire, ouais. J'enregistre tout. Ouais, mais pas méchant, mais il disait tout le temps, ouais, on va venir devant la radio et tout. Pour aller repasser. Ouais. Je me demande si c'est pas Tony qui a fait que. Enfin, compte, il y a des films, mais je me demande si c'est pas Tony qui était venu une fois, qui avait chié devant chez lui la première fois. Ah bon, tu crois? Ouais, je crois que c'est lui. T'as reconnu son caca? Ouais. Non, mais je sais parce qu'il me l'avait dit. Ok. Il m'avait dit qu'il avait demandé à l'alligator si c'était possible de venir filmer pour Fun TV, mais que l'alligator, il a dit non. L'alligator? Ouais. Ouais. D'accord.
Ah, carrément. J'ai reconnu la voix de l'alligator, il est passé à l'antenne quand il faisait le petit gamin de 13 ans, c'était l'alligator. Ah, d'accord. Et c'est toi, Omomag ? Quoi ? Omomag. Ah, c'est moi le PSG, genre. Non, c'est pas moi. Tu connais les mecs qui font Omomag ou pas ? Ouais. C'est qui ? C'est des mecs de Bordeaux. Ah bon ? Et Max, Max, il t'a aidé là-dedans ou pas ? Non. Il est au courant, Max ? Non. J'ai voulu lui parler à Loco, on a déjà parlé avec lui, mais il savait pas que c'était moi. D'accord. C'est même, il m'aurait chopé avec Gérard et il m'aurait fait la fête. Mais tu veux me faire le remix, tu me l'envoies quand ? Je te l'envoie dès demain. Il faut que je donne mon adresse ou pas ? Ouais, bah ouais. Ouais, tu vas me filer ton adresse hors antenne. D'accord. Ok. Bah, je te donnerai pas mon adresse à moi, je te donnerai une boîte aux lettres neutre CDPTT où t'envoies et après j'irai récupérer mon courrier en cachette. Ah ouais, d'accord. T'as raison. Une boîte aux lettres secrète où de toute façon tu peux pas dévoiler, même si t'as l'adresse, tu peux pas savoir où j'habite. Une boîte postale, quoi. Ouais. Ok, voilà. mais t'habites en France ou tu es de passage ? J'ai habité en Belgique avant. Et je suis de province. Ah d'accord, tu viens de Belgique ou là t'es en province ? Je suis de Tours. T'es de Tours ? Ah ouais, d'accord. Ah ok. Bon bah d'accord, bon bah je prends rouge. Je vous laissez là. Ok d'accord. Parce que si Gérard il entend et tout, s'il arrive et tout, je vous laisse. Eh ouais, mais trop tard mon pote. Je suis désolé, chaperon rouge, j'ai encore piqué le téléphone. Eh ouais, pauvre con. Oh putain, eh ouais. Ah merde. Eh allez. Voilà, donc Il s'est passé quoi là ? Non, c'est normal, on a voulu savoir quelque chose. Ouais, et... super bien joué les gars, vous l'avez eu, ouais. Non, mais c'est bon, on a eu maintenant toutes les preuves de... Donc excusez-nous du petit problème là. Non, mais c'est pas grave, c'est chouette, c'est raconte bien. Raconte-nous, Jagé, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est que... Oui, Jagé, on peut savoir. Ce qui s'est passé, c'est que ce fameux chaperon rouge là, on va le coincer avec les policiers. Non, mais vous allez... Grand méchant loup dans l'histoire. Non, mais on va vous remettre avant de continuer. On va essayer de... C'est bon, Olive. Attends, je vais... L'enregistrement, alors, Olive. On va essayer de vous le faire passer, donc... vous allez... Oui, alors. Ouais, ça a été enregistré. Gérard, on l'a bien baisé, quand même. Hein. Oulala. Là, on va s'amuser, maintenant. Ah, tu vas faire quoi ? Tu vas porter plainte ? Tu vas aller voir les flics ? Non, mais maintenant... ça, tu peux, hein, là. Mais Gérard, ça donne quoi d'avoir une bande ? Tu sais toujours pas qui c'est ? Mais il a donné son nom, maintenant, ça y est. C'est écrit, il a dit un t-shirt Mickey, tout ça, machin. Oula, on va le choper à la loco. On va le choper. Donc, alors, Olivier ? Alors, je sais pas où est-ce que ça sort le date. Attends, c'est quoi la question ? Non, bah alors, vous allez... Donc, on revient, aimez-vous, écrivez-vous avec des bons ou mauvais caractères, et avant, on va vous faire écouter de tout ce qui s'est passé. Qui dit « connard, enculé », ça, constamment. De le virer, tu cherches pas midi à 14h. Voilà, et Olivier qui va faire la pro. Oh bah là c'est même pas la peine. Appelle Olivier, on va lui mettre les points sur les i avant qu'on gueule quand même. Avant ça commence. C'est la réunion ça, c'est la réunion Olivier. J'ai presque pas de retour. Mais c'est début d'émission ça. T'es super pas de retour moi dans le casque. À fond. Putain, je suis à fond, j'ai presque pas de retour. Bah attends, c'est pas normal, moi je m'entends très très bien. Gérard, merde. Non, tu dis que c'est... C'est pas ce qui s'est passé. Là, tu sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, comme par hasard. C'est pas la bonne émission. Attends, ça veut dire quoi ça ? Ce coup-là. Alors là. Mais non, mais. Je sais pas ce qui s'est passé. Il se démerde tout seul, là, il nous énerve. T'as qu'à faire le débat, Olivier. Non, mais attends. Vas-y, prends. Va la console, GG, va la console. Mais une claque, le prochain disque, tu te vires là-bas. Ah non, s'il te plaît, Gérard. Je peux répondre. Bah non, c'est pas très... Bon, bah c'est pas grave, on va essayer de retrouver, on aura peut-être des autres cassettes. Continue le débat. Ouais, mais je voulais que tout le monde écoute. Ça fait une heure que j'attends pour t'entendre raconter des conneries. Et Gérard, mets-lui une claque, Olivier. Bon, allez, on reprend. Donc, alors, Amandine, Céline, Bizange, Cure-Dan, Carla, Jean-Luc, Mylène... Et Barbara. Salut, Jean-Luc. Et Barbara, donc, qui c'est qui veut répondre à la Jean-Luc, question ? Moi ? Merci, Olivier, question, encore. Ouais, merci, Olivier, merci, c'est sympa. Cécile. Bah, tu peux préparer un disque, hein. D'accord. Cécile parle. Oui, Cécile. Vraiment nul, ça dépend des caractères. Bah, c'est comme ce que Barbara a dit avant qu'on vous recoupe pour écouter ce que Chaperon Rouge disait. Les petits, les grands, les bons, les méchants. Il y a toutes sortes de caractères. Surtout les grands. D'accord. Pour toi, Mylène. Mylène, s'il te plaît. Oui. Bon, tu travailles. À mon avis, les caractères, c'est plutôt important pour ce que tu vas en faire. Donc moi, comme elle disait avant, franchement, moi je préfère les gros caractères. C'est beaucoup mieux.
Mm-hmm. Parce que les petits, on peut pas faire grand chose avec. Non, mais les gros coléoptères, les gros coléoptères, ils sont hyper dangereux. Ouais, c'est à une époque, c'est eux qui dominaient le monde quand même. Oui, mais qui c'est qui vient de parler là? Bernard. Non, il y a pas de Bernard. Bah, et moi? Bon, Jean-Luc. Non, normalement, j'ai un cure-dent. Ouais, celui-là. Et Jean-Luc? T'as qui, Gérard, ouais, ou ça? T'as un cure-dent. Bon, Jean-Luc, alors, pour toi? Il est où, ton cure-dent? Pour moi, je sais pas, t'as bon ou mauvais caractère, toi? Non, mais en écriture, ça parle pas de caractère physique. Je sais pas écrire. En fait, ouais, c'est ce qui se passe, quoi. Moi, j'ai appris dans la rue, quoi. J'ai jamais été à l'école, je sais pas écrire, quoi. Mm-hmm. Gégé, oui. J'ai une question. Mais attends, Céline. Donc, c'est pas super marrant, quoi. Je sais pas si tu connais cette situation-là. Bon, tu sais, tu peux même pas lire les journaux, tu peux même pas lire les vitrines, ni rien, c'est chiant, quoi. Mmh. Moi, je suis un mec plutôt paumé, j'ai pas envie de foutre le blues à tout le monde, mais bon, ça va pas, quoi. Ok, Carla? Gérard, non, mais ça va pas, Gérard, je te dis non, pas, Jean-Luc, s'il te plaît. Tu prends un peu de moi un peu, putain, merde. Putain, mais c'est Carla? Ça va pas dans ma vie, moi, merde. Carla? Qui c'est qui va régler ma vie, moi? Carla? Qui c'est qui va m'apprendre à écrire? Bon, vous me prenez Jean-Luc en antenne, là, quand je demande quelqu'un d'autre. Ouais, c'est bon, ouais, mais ça, oui, il y a des problèmes, quand même. Non, mais tu lui demandes qu'il se calme. Et même toi, Gérard, sans déconner, t'étais dans la merde et tout, tu veux même pas m'aider, putain. Ah, laisse tomber. T'as pas de cœur, Gérard. Carla. Tu pourrais écouter un problème, quand même. Hein. Carla, tu veux réponse, s'il te plaît? Voilà, donc, est-ce que t'as un caractère de cochon? Ah, bah alors là, Carla, t'as... Elle parle dans un tuyau, Carla. Carla, la radio. Là, le téléphone dans le cul, Carla. Là, apparemment, c'est au lit. Moi, j'ai mon téléphone dans ton cul. Mais à quoi tu joues, là? Putain, Carla. Tu me réponds, Gérard? Ouais, je t'écoute. Est-ce que t'as un caractère de cochon? À ton avis. Non, ouais, la question, c'est n'importe quoi. C'est sur l'écriture, c'est pas le caractère physique que je viens de dire. Hein, il y en a peut-être pas, mais il y ressemble. Hein. Bon, alors, cure-dent. Cure-dent. Je sais pas, attends, je sais pas où il est. Ouais. Bon, tu te réveilles là ou quoi? Ouais. Bon alors? Ah, moi, oh, je suis scorpion. Hein? Alors, putain, cure-dent. Je suis scorpion, moi. Bon, allez, hop. Non, salut, scorpion. Bon, bah, allez, de toute manière, je pense qu'on va. On arrête là, puis oh, terminé. Non, c'est terminé. Non, non, Gérard. Non, c'est terminé. On a pas voté jusqu'à 3h du matin pour participer à un débat, tu veux jusqu'au bout, ça va? Je peux te poser une question? T'es quel signe? C'est pas l'écriture. Et tu sais que remarque, on peut faire un débat sur l'astrologie pour finir. Ouais. C'est prévu pour la semaine prochaine. Oh merde. Tu vas inviter la voyante là. Moi je suis vierge. Viens ma chérie que je te caresse le clitoris. Alors Byzance. Oui, c'est Byzance. Mmh. Byzance. Oui. Alors pour toi? Bah moi j'ai bon caractère. Ouais non mais je te parle de l'écriture. Et ta mère? Jean-Luc, au cure-dent, ça suffit de dire des conneries comme c'est ça. Pas cure-dent. Ouais, c'est qui? Ma gueule. Bon, bah, tu raccroches et c'est tout. Non, je t'écoute et je réponds quand j'ai envie. Voilà, ouais, bien joué, vas-y. Ouais. Manu, s'il te plaît. Ouais. Tu vires cure-dent, comme ouais, ça, il répondra pas encore. Ta sœur. Jean-Luc, mais Manu, oh! Jean-Luc! Oh là 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 là. Hey, oh. Jean-Luc! Ta mère! J'arrête. Allez hop, terminé. Devant le Monoprix. Ah, oui, non, allez hop. Moi, vous discutez entre vous, c'est terminé le débat. Gégé, c'est quoi le débat? Gégé, reviens. On va écouter un petit Rage. On va écouter un petit disque. Pose tes questions d'après, Gérard. On va écouter un petit Rage Against the Machine. C'est terminé. La suite et la fin des débats du jeudi. Donc, on va récupérer Amandine, Céline, Byzange, Cure-dent, Carla, Jean-Luc, Mylène. Non, Cure-dent, je l'ai viré, tu m'as dit. Ok, donc on va récupérer tout ce beau monde pour dire une petite conclusion. Attends, on a quelle question, là? Gérard. Non, c'est terminé. Ouais, c'est déconné, mais fais pas chier, putain, fais pas ta petite piste, la merde. Bon, attends. C'est l'apocalypse. Gérard, c'est terminé. Fais pas ta petite piste, la déconne. C'est terminé. Calmez-vous. Non, c'est terminé, on fait la conclusion, c'est tout. Attendez. Hé, t'as pas fini la question. Tu crois que je me suis cassé le cul jusqu'à 3h30? Ah, c'est mieux. Conclusion, chacun votre tour. Amandine. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, la conclusion sur le. Oh bah non, moi, bon, Gégé, t'as posé question combien de questions? Hein, t'avais posé combien de questions? Il a posé 3 ou 4 à peine. T'as posé 3 questions, t'es nul. Mais ça suffit pour faire une conclusion, ça suffit. On en a posé 5 exactement. Bah, t'es nul. Rappelle les questions, Gérard, donc et après, fais une conclusion par rapport aux questions. Écoutez. Aimez-vous écrire? À qui écrivez-vous? Faut-il prendre l'alphabet au pied de la lettre? Et préférez-vous le R majuscule ou le R
de rien. Et écrivez-vous avec des bons ou mauvais caractères, voilà. Voilà, 5 questions, super pour un débat, jusqu'à 4h du matin, on s'est bien fait chez Pan, hein, merci. Hein. Pourri, hein, ouais, mais... franchement. Ah, je reviens pas, non, mais je veux dire, Gérard, on paye pour participer à ces débats. Et non, pour l'instant, c'est vous. Non, c'est vous qui avez appelé, donc on vous a rappelé. Donc nuance, c'est pas pareil. Parce que le numéro, il est gratuit, donc vous payez pas. Alors, faut pas prendre les gens pour des cons, là. Ça, c'est clair. Hein, on paye la radio pour participer, hein. Comment? On paye la radio pour participer. Ah bon, tu payes, c'est nouveau maintenant, payes. Eh ben ouais. N'importe quoi. Non, parce que je vous signale que c'est un numéro vert, et un numéro vert, vous le payez pas. Ah ouais, vous donnez le numéro de carte bleue. On donne le numéro de carte bleue au standardiste et après il nous débite des trucs au guichet. Mais ça, faut pas le dire, faut pas le dire à l'antenne, ça. Non, mais sans déconner, j'en ai marre, moi, il est 4h du matin, j'ai pas encore dormi. Bon bah voilà, donc non, c'est bon, des ça. Acteurs, c'est des comédiens, c'est du bidon ton émission. C'est dégueulasse. Ouais. C'est ça qui dit ça. À la fin du mois, on va me tirer encore 400 balles. Voilà. Et puis de toute façon, Gérard, c'est un acteur. Mais j'essaye, attends, il passe sur tout le monde. Bon, bah allez, c'est bon. Il a raison, il faut le dire. Tiens, toi, t'es payé combien, Gérard? Ça te regarde pas. Ouais, bah tu devrais nous en faire un petit peu parce qu'on participe bien. Gérard, je suis contrôleur du fisc. Attention. T'es payé pour faire 5 questions, t'es... Ouais, donc... on y va, chacun leur tour, tu dis... Donc, Amandine. Et il se calme. Je voulais savoir c'est quoi ton vrai nom, parce qu'on sait très bien que t'es un acteur. Faudrait... Conclusion, Amandine. Amandine. Bon, bah, ma conclusion, c'est que l'écriture, c'est utile, hein, voilà. D'accord. Depuis la nuit des temps. Ok. Cécile. Ah ben, l'écriture, c'est important, et puis bon, bah, j'ai passé un bon moment. Mmh. Et puis, bah, je t'embrasse et j'embrasse Manu. Ok. Voilà. Byzance. Non, putain, c'est 5 Byzance. Fois que je te le dis, ouvre tes oreilles. Byzance, excuse-moi. Oui. Bah, 5 questions, c'est nul, quoi. Franchement, nul, quoi. J'aurais mieux fait d'aller me coucher plutôt que de te parler, quoi. Eh ben, ok, au revoir. Carla. Elle est relou, elle, hein. Carla. Tu me mets Carla, Manu, s'il te plaît. Carla. Ouais, tu m'entends? Oui. Alors, moi, je suis d'accord avec Byzance, la fincette d'avant. Ton débat était pourri, comme toi. C'était nul, comme d'habitude. Manu, vire-la, vire-la. Allez, c'est bon, si c'est nul dans ces cas-là. On n'a plus Jean-Luc. Si. Bon, alors, Jean-Luc, conclusion. Donc, en fait, ce soir, je sais pas qui s'est fait baiser entre les auditeurs ou les animateurs. Je voulais faire un gros bisou à Lali et puis à Finder, quand même, que j'ai vu récemment. Et puis Gérard, je te fais un bisou quand même si t'as un gros nez, quoi. D'accord, ok, je te remercie. Peut-être à la semaine prochaine, si tu veux. Donc, rien. Et Manu, arrête de les couper quand c'est intéressant, ce qu'ils disent. Donc Gérard, tu seras à m'accueillir la semaine prochaine. Bah si c'est pas le bordel comme cette semaine, oui. Bah écoute, oui. C'est super gentil à toi, je rappellerai avec plaisir, je te remercie, j'espère que tu vas passer une bonne fin de soirée. Ok, je te remercie. Salut. Allez, à la semaine prochaine. Mylène. Oui, bon, moi, bon, pour conclure, je dirais que l'écriture, c'est utile pour écrire. Mm-hmm. Et c'est tout. D'accord. Ok, je te remercie. Et Barbara, pour finir. Ouais, moi ce que je voulais dire, c'est que bon, Gérard, même si t'as un gros nez, même s'il est pas beau, ben je t'aime quand même. Voilà. Ok, je te remercie. Au revoir. Donc c'est dommage qu'il y a eu des petites coupures de temps en temps, mais sinon bon ben ça aurait pu aller plus loin. Mais là, bon, malheureusement, on a eu des petits problèmes avec un auditeur, donc on a voulu le passer en direct pour qu'il dise vraiment ce qu'il faisait. Donc voilà, donc sur l'écriture, c'est dommage qu'on n'a pas pu aller plus loin. Sur les 5 questions, c'était pas mal. Donc en tout, sur les 2 débats, bon, à part le premier qui a foiré, mais sinon, tout s'est bien passé. Donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine avec les 2 thèmes de débat. Je vais vous les annoncer maintenant. Ça sera quoi, Gégé ? Ça sera sur la musique et sur les signes astrologiques. Alors sur la musique, ça sera style techno, house et haute. Il y aura un peu de deep ou pas, non ? Et c'est quoi les hautes ? Bah, autre style de musique que les gens aiment. Ah, haute style, ok. Donc je vais étudier ça avec précaution. Et sur les signes, ça sera quoi ? Ben, ça sera sur tous les signes astrologiques, soit avec les ascendants et tout ça. Il y aura le Poisson, le Bélier, voilà, astrologie. Ouais, voilà. Gémas, l'astrologie complètement.
chinoise et tout, non? Non, 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 non. Avec non. les rats, les poulets. Non, non, non. Non, 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 ça sera sur les signes. Le français, le français. Le français. Okay. Les signes astrologiques français, d'accord. Voilà. Okay. Et donc, bah, voilà. Donc voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine. Et, ah, bah... Attends, il y a un message de Gilles, un dernier message qui dit j'ai enregistré un petit peu de la conversation que tu as eue avec Chaperon Rouge. Si tu veux, je peux te l'envoyer. Ben, t'écris au 143 avenue Charles de Gaulle, 92 521, Neuilly-sur-Seine, Sedex, et on attend ta cassette. Ah bah, donc je vous souhaite une bonne nuit à tous. Vous allez retrouver Bart pour la nuit sans pub et bien sûr tous les autres animateurs de la journée. Et n'oubliez pas demain soir 22h minuit Max le Star System avec un résumé des débats. Je ne sais pas sur lequel encore. Et bien sur sûr l'avortement, je crois. Non, non, non.